Aujourd'hui, j'ai avec moi un cahier que j'ai construit moi-même. J'ai pris le temps d'assembler toutes les feuilles à l'intérieur et j'ai décidé pour cette vidéo de décorer mon petit cahier. Pour ça, eh bien, je vais commencer par choisir mes stickers et mes matériaux nécessaires. Et je pensais à faire une thématique printemps-été. Donc, tout ce qui a rapport avec la nature, les plantes, les fleurs, tout ce qui est joyeux en fait. J'ai donc des papillons, des petites fleurs. J'ai aussi ce genre de petits tags qu'on peut utiliser. J'ai d'autres fleurs. Mais je vais commencer par faire ma décoration extérieure et ensuite je vais passer par la décoration intérieure dans les pages qui sont blanches. Et donc pour ça, je pensais à faire une thématique des plantes et des feuilles. Qu'est-ce qu'on peut s'inventer de faire ici? Donc, je pensais à, comme ici les feuilles elles sont vraiment cousues, je pensais à coller ça ici. Une thématique vraiment printanière. Peut-être. Il faut que ça soit presque dans la même thématique. Ah, ça, ça marche. Ça, ça marche. Ah, c'est très joli. Je pense que ma colle, elle commence à être bien. Et donc, je vais commencer par coller ça. Mettre un peu de colle ici, dans les bordures. Comme ceci. Et coller ça. Je vais tenir pendant quelques secondes. Et continuer à coller par ici. La même chose, je vais tenir. Je vais coller. Attention de ne pas vous brûler par contre. Faites attention toujours avec, quand vous travaillez avec la colle, ne pas vous brûler. Et puis, comme on peut voir, il y a de la colle qui reste ici. Vous pouvez juste. Voilà. Donc, voici notre première partie. Okay. Maintenant que ça s'est collé, on peut, je pense, commencer à ajouter ici
les feuilles. Mais laissez-moi juste regarder quelle thématique on peut faire, parce que je ne veux pas juste faire ça à l'hasard. Je veux vraiment que ce soit très joli, peut-être faire un genre de contour, comme ça. Ou alors ajouter... Oh, on peut ajouter ça par ici aussi. On pourrait ajouter un peu ici, comme ceci, et ça à côté. Je sais pas si ça va bien avec lui, par contre, peut-être avec le blanc. Ouais, avec le blanc. Oh, il est où? Ok. Ici, ici. J'aime le vert en tout cas. J'aime le vert ici à côté, que je pourrais le faire comme... Ouais, attache. Ok, donc ça, ça va être ici. Je pensais mettre des fleurs blanches. On va essayer de mettre les fleurs par ici. Peut-être là. Peut-être là. Ici aussi, j'ai d'autres fleurs. Ça pourrait être ici. Peut-être qu'elle, ça pourrait être là. C'est comme ça. Peut-être comme ça, comme ça, ouais, je pense que ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait avoir du centre. Il faut se rappeler que c'est pas nécessaire, c'est pas que, ici on cherche pas la perfection, on cherche juste à s'amuser, à faire quelque chose de différent, et... Faut pas se casser la tête avec ça non plus, c'est vraiment quelque chose où l'on cherche à vraiment avoir du fun avec tout ça là. C'est pas vraiment ok, ça peut être ici, ici ça peut être une bordure verte comme ceci. Ouais, I like it. J'aime ça. Comme ceci. Oh, ça aussi c'est joli. Ah, oh, oui, je vais aller avec ça. Je vais aller avec ça. Ensuite de ça, celui-là, peut-être ici, ça serait une bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas, mais... Laissez-moi voir si je peux ajouter des papillons par là.
Moi, peut-être ça, je vais voir pour une prochaine. Pour une prochaine. Celle-là, celle-là. Alterner un peu le blanc et la rose pour pas que ça soit trop comme ceci, ensuite la corde elle va aller là, puis ça pourrait être là aussi, ça peut être fun, mais j'aime bien ça parce que ça donne l'impression que c'est un cahier comme ancien ou quelque chose comme ça. Donc par-dessus peut-être. Voilà, ici. Puis une autre là. Ça peut être bien aussi. Mais j'aime bien qu'est-ce qu'on avait fait tantôt. Comme ça, on met l'envers. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Ça peut être. Comme ça aussi. Oh, intéressant. Ok, je vais commencer par coller vraiment ça en premier. Faites attention quand vous collez vos items parce que faut pas que vous vous reliez avec la colle. Je pensais à faire une autre ici. Là, comme ça. Et peut-être bien une autre comme ça. Et alors, juste comme ceci. Je veux pas que ça soit trop non plus. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça. Ou bien comme ça. Ouais, comme ça c'est beau. Waouh! Il faut juste avoir de l'œil pour ce genre de. Pour ce genre de. Des travaux. Pas compliqué, mais en même temps
Il faut avoir de l'œil pour ça. Il faut aimer faire des choses manuelles. Il faut vraiment aimer y prendre plaisir. Autrement, là, ça va être un lien pour vous. Et c'est pour ça que moi, je suis là à faire tout ce qui est bijoux, activités, cahiers, feuilles, cartes, handcraft. J'aime le vendre, vendre mes travaux, mes peintures et tout ça. Donc oui, on va commencer à avoir une forme. Après ça, on va finir par coller tout, ne vous inquiétez pas. Ici, je vais mettre quelque chose, je sais pas quoi encore. Mais je vais ajouter quelque chose ici. Je veux pas que ce soit trop trop vanille. Je veux que ça soit quand même intéressant. Peut-être les bras. Donc ça serait vraiment une autre genre. Ouh. Dans le sens plus réaliste. J'aime ça, j'aime ça. Comme ça, peut-être. Pour faire un genre de livre. Et ensuite, on pourra faire le verre qui va être comme le charm. Donc, je vais faire trois dessins, je pense que trois ou quatre. Ça pourrait être bien. Voilà. On va découper ici la partie voilà. Et on va coller. Voir comme il faut et que vous allez voir la procédure vraiment du mieux que vous pouvez. Comme ça vous pouvez en faire un cheveu si vous voulez, ou alors si vous voulez pas acheter tous ces matériels là, et bien vous pouvez toujours acheter qu'est-ce que je crée. Des personnes qui m'encouragent dans mon travail. Ça aide tout le temps, puis ça fait vraiment mon plaisir. Vous êtes très gentil. Et en même temps, ça donne beaucoup de sens de en même temps vous m'entraider, parce que vous écoutez mes vidéos et vous likez, pour ceux qui likent mes vidéos. Même donc, voilà, on est en train de créer notre beau cahier de printemps-été. Vous allez voir les amis, que ça va être très 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 joli. Joli, 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 joli. Ici on va mettre une autre. Voilà. Puis
Donc ceci. Et ensuite, voilà. Voilà, on est en train de créer donc notre livre de feuilles. Je ne sais pas si je l'avais mentionné dans une autre vidéo, mais dernièrement, on est en train de changer des stations, de printemps, de l'hiver au printemps. Mais on est déjà officiellement au printemps, mais ça n'a pas l'air. Donc je vais dire, on est en train de changer de station de hiver à printemps, et puis des journées se font très pluvieuses dernièrement. Alors, c'est le fun de faire ce genre d'activité. Je pense que je vais poster une vidéo. Je sais pas si je vais la poster ou pas encore. Ou est-ce que si vous aimez ce genre de vidéo, ben je vais poster la vidéo. Ou est-ce que je vous montre comment j'ai créé justement cette cahier-ci que vous voyez, comment je l'ai construit moi-même, comment je l'ai assemblé en fait. Donc si vous aimez qu'est-ce que vous voyez en ce moment, je peux, si vous le souhaitez, montrer comment j'assemble le tout, comment j'ai créé mon propre journal. Pour pas en acheter à chaque fois, je sais qu'on peut en acheter un, qu'il coûte vraiment comme, je trouve qu'ils sont chers quand même, puis ils sont pas originaux, parce que je trouve que c'est plus le fun d'avoir un truc fait à la main ou fait par quelqu'un qui connaît comment faire le cahier, puis qui est vraiment comme artistique et qui est capable de créer quelque chose d'unique, qui est quelque chose que tout le monde a. Mais ça dépend des goûts là. Dans mon cas, je préfère avoir des choses qui sont plus uniques qu'une copie. Puis donc voilà, nous avons ici nos feuilles, nos bordures en feuilles. Maintenant que nous avons notre première partie, je vais essayer de réorganiser les fleurs et de penser qu'est-ce que je pourrais mettre ici. D'accord? Juste j'essaie d'alterner les blancs et les roses. Peut-être ajouter un papillon ici. Oh, attendez, j'ai d'autres papillons. J'ai ce genre de papillons. J'ai ça aussi. J'ai ceux-là. Oh, ça c'est beau. Oh là là. C'est beau. Ça aussi, mais c'est trop enfantin. Ça, c'est joli. Mais je suis pas sûre. Ça, par contre, oh là 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 là, que je vais tout de suite le coller. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Oups. Carrément le coller là. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là, c'est tellement beau.
Regardez ça. Si c'est pas bon, hein? Laissez-moi ouvrir ça, juste pour voir. Ça dit que c'est des papillons en papier. Wow! Ah, ok. Oui, ça c'est pour coller en trois dimensions. Mais c'est un peu trop grand. Moi, j'aime bien les papillons qui sont plus petits. J'ai des petites feuilles ici que je peux ajouter. Et je pense que ça va être ça mon prochain défi, c'est d'ajouter des petits pétales un peu partout. Peut-être là, peut-être là. Peut-être une par-ci, une par-là. Faire un peu. Voilà. Pétale, sans pétale. Je pense qu'avec pétale, ça va être plus joli. Ok, je fais la suite pour ça. Je vais faire une autre vidéo pour la suite et je vais les compacter ensemble pour pas que vous perdez. Les processus. Donc oui, je disais que j'avais créé cette carte là. Ça aussi des feuilles jaunes, mais comme le fond est déjà jaune, je vais laisser ça de côté. J'avais créé ça aussi dans une autre vidéo, vous avez vu ça. Puis on pourrait même ajouter les fleurs ici, mais je vais laisser ça de côté. Regardez, j'ai créé une thématique ressemblante et j'ai ajouté des petits pétales. Je pense que la vidéo va arrêter dans quelques minutes, mais si ça s'arrête, c'est pas grave. Je vais faire une autre vidéo pour la suite et je vais les compacter ensemble pour pas que vous perdez les processus.